Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Légende Pokémon Arceus. Et nous nous retrouvons ici après... Je suis en train de cliquer sur Z pour essayer de centrer la caméra parce que je viens de jouer à Toilette Princess. Ouais, Toilette Princess, bref. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, voilà. Donc nous nous retrouvons ici pour faire quoi déjà? Forum des objets perdus. Ah, merci. Merci Yoel. C'est drôle parce que Yoel, c'est le nom du plus grand youtubeur hispanophone de Pokémon. Donc bon, c'est quand même drôle que ce soit Yoel qui me donne ça. Ah oui, le marais, c'est vrai, on arrive au marais. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ah oui, le souci de Marcia, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me revient, ça. Ah oui, avec les distorsions temporelles, là. Je me rappelle. Alors, j'aimerais confectionner. Attends, parce que je vois pas, en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, voilà. Voilà, pompe aveuglante, livrant une femme plante qui est invisible. Ok, d'accord. Ah ouais, là c'est vraiment une balle qui va très très vite. Il me faut un agrume, il faut des galets azur. J'ai pas ça moi. Ok, bah j'ai pas de galets azur. J'ai combien de rappels moi? Allez, on va faire 7. J'aime bien le concept de confectionner parce que ça permet de ne pas dépendre tout le temps des magasins et je trouve que c'est une bonne mécanique, une mécanique intéressante. Bah on y va je suppose. Boudjou. Ah il s'est échappé. Ah bah voilà. On peut explorer quand même, voir ce qu'il y a un peu par ici. Ok. Ah, Parasect. Monsieur, il est moins dangereux. Il est moins dangereux que le... Ah oui, 25. Ah oui, effectivement. Ah, ça donnait beaucoup d'expérience. Ça, c'est sûr. Je sais où je dois aller, hein, mais j'aimerais un peu explorer avant de... Alors, est-ce que je peux... De toute façon. Non, d'accord. C'est pas d'accord. Je peux pas. Oh. J'ai pas vraiment peur de toi là. Allez, aéropique et c'est fini. Voilà. Ah. Bon, on peut regarder par là ce qu'il y a. C'est... Ah, d'accord, c'est un... Corivine, je sais pas comment on dit.
Alors, on va essayer de le capturer. Pour compléter mon Pokédex. Allez, morsure. Ok. Ok. Allez, style puissant. Normalement, il enlève plus, mais le mais pas KO. Ok. Un morsure de plus, normalement. Ah, je pensais. Oh, oh, coup critique. Incroyable. On va voir ce qu'il y a au fond. Ce sont les restes d'un feu de camp. Donc, quelqu'un était ici. Bon, ok. Allez, récupère des baies. Prends des noix grunes. Alors, revanche. Voilà. Coucou. Aéropique. Voilà. Alors, Pokéball, normalement, enfin normalement, je sais pas, mais je sais pas pour faire les... Ok, d'accord, j'ai un deal. Super. Quand un Pokémon sauvage est sur ses gardes, il n'hésite pas à attaquer, dans ce cas-là, il faut savoir esquiver. Comme ça. Est-ce que je peux le prendre? Ah oui, je peux le prendre. Ouais. Je m'appelle Lagena. Je suis l'une des gardiennes du clan Perle. Tiens, tiens, la flûte céleste. Tu es le garçon qui est tombé de la faille spatio-temporelle, n'est-ce pas? Oui. Je vois. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu as apaisé le roi Achécateur. Tu as rendu service à bien des gens. Bien des gens. Mais je me demande s'il n'y avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait, au fond, c'est utiliser la force brute pour le faire taire, non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers avec des espèces de balles, là. Nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Et il y a aussi cette fille, Marcia. Elle m'en faire son aide, mais j'ai refusé. Car je n'ai pas non plus besoin de l'aide du clan Diamant. Martial appartient au club Diamant? Fiche le camp maintenant, j'ai affaire. Bon, tu vas voir. Dis-moi, Diodala, tu accepterais de te battre contre moi? J'aimerais me mesurer à celui qui a réussi à apaiser un roi. Avec plaisir. Alors, j'ai juste une question, d'où tu sors en fait? Je suis en train de parler avec quelqu'un et d'un coup, hop, salut, tu veux te battre avec moi? Mais bon. Allez, on pique. Ok, bon, normalement... Oh non. Oh non. Voilà.
Ah, il a un autre. Aucun effet. Pourquoi? Et il est déjà type sol, Gibel? Moi, je ne savais pas. Enfin, je savais pas, j'avais un doute. Voilà. Eh bien, merci pour ce beau combat. Tu diriges ces Pokémon avec un talent incroyable. Nice. Quelle force incroyable. Laisse-moi remettre tes Pokémon en pleine forme. Arigato. Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment de mur qu'on a volé à la Jaina. Alors, j'avais remarqué, mais... Oui, c'est drôle parce que je passe de Toilette Princesse dans lequel je trouvais des fragments de miroir, et là c'est un fragment de mur. Quelqu'un a dérobé un morceau de mur des ruines Bon Vivre. Tu as déjà entendu parler des détrousseurs. Même la compagnie Jinko est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses. La Jaina parcourt la région pour récupérer son précieux morceau de mur, mais à 99 ans, elle commence à fatiguer. Qu'est-ce que tu en penses? Giotano. Tu veux bien essayer de le retrouver pour elle? Bien entendu, je te donnerai un coup de main. Après tout, moi aussi j'étais dévalisé. De plus, je ne supporte pas ceux qui osent s'en prendre aux ruines. Maintenant que j'y pense, j'ai vu les restes d'un feu de camp à proximité du bivouac du marais. Ouais. Ouais, bah c'est ce que j'avais vu. Je me suis avancé aux événements. S'il te plaît. Oh putain, c'est vraiment. Oh, putain. Oh, ce serait tellement bien d'avoir un ectoplasma. Waouh. Oh non. Ouais, comme ça. Ouf. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Allez, on va essayer. Vivre à quoi? Eh mais... C'est pas ce que je veux faire. Voilà. Ouais, normalement, il ne met pas KO là. Voilà, merci. Étonnement, ok. Alors là, il va falloir retourner sur nos pas tout de suite. Euh,
Je veux retourner sur mes pas. Ah bah c'est là. Non. Jusqu'au matin, et on va changer Fantominus, Ghastly, par Dieudoute. Rokoku, non, comment ça va changer, j'en ai aucune idée. Oui, j'ai compris. Alors là, c'est clair et net. Hein. Allez, on y va. Noni. Ce sont les restes d'un feu de camp. Quelqu'un est passé ici. Bon, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Qui voilà? Clairement, ce n'est pas le hasard qui t'amène. Marcia? Oh bah non. Oh, c'est les trois voleuses. Il n'y a qu'une seule raison qui puisse expliquer ta présence ici. Alors, pour ceux qui ne voient pas... Ah, mais elle ressemble à... Elle ressemble à... Saturne. Peut-être. Je vais essayer de... Voilà, je vais mettre ici. Bon, on voit un peu ça, tiens. Il est juste... ici. C'est nous que tu cherches, pas vrai? On devrait déjà se présenter, non? Qu'il sache au moins qui va lui faire mordre la poussière. Another one bites the dust. Je suis Constance, l'aînée de notre trio. Mon symbole est le... pain. Car je suis la plus grande, et comme le feuillage de cet arbre... Ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Je suis Garance, la cadette. Moi, mon symbole, c'est le bambou, plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. Et moi, c'est Hermance. Je suis la Benjamin. Ma beauté est comme une fleur de prunier fragile qui brave la rudesse de l'hiver pour annoncer le printemps. Eh ben. Aïe 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 aïe. Nous sommes les hommes du pilier. Enfin les femmes du pilier. Pour ce qui est de sa référence. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, les détrousseurs qui sèment la chance. Laissez-moi faire les filles. Je vais en faire qu'une bouchée. Allez Quatox, arrose-le de ton poison. Quatox. Ouais bah Quatox contre moi, si j'affecte Psy, il dégage, hein. Mais genre direct, hein. Allez, et toi en vol. Parce qu'il est type combat. Voilà, ça dégage. Yare, yare. J'aime pas perdre, mais je préfère encore ça que d'être aux ordres du groupe Galaxy. J'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy, il continue de me gâcher la vie. Prends-le ton fragment de mur et fiche le camp. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que c'était peut-être un trésor. Mais en fait, ça vaut pas un clou. Tous ces efforts pour rien, quel gâchis. Mais dis-moi, pourquoi l'avais-tu après nous? Ouais, pour aider la Gina plutôt. Tous ces efforts dans le seul but d'aider, comme c'est admirable. Mais vois-tu, on peut pas tous se payer le luxe d'être généreux. Certains essaient déjà de survivre. Et pour tout dire, on a une dent contre le groupe Galaxy. Et vu que tu en fais partie, on ne te tient pas en haute estime. D'ailleurs, cela me rappelle cet ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier,
Pourquoi les pétales s'éparpillent-ils, t'inquiète? Ok, on y va. Let's go. Tu as réussi à récupérer le fragment de mur? Beau travail. Je connais bien la réputation de la Gélin. On dit qu'elle était tuée à Vieux-Jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'il a toujours vécu à Issui et qu'il a donné de sa personne pour s'y affaire le clan Perle, guidé par sa foi et le grand Sino. Au fond, ce n'est pas tant qu'elle déteste le clan Diamant et le groupe Galaxie. C'est surtout qu'elle aime le clan Perle par-dessus tout. J'espère sincèrement que tu arriveras à apaiser Ursa King. Diodada. Ce n'est pas bon pour nos affaires de savoir qu'il y a des Pokémon enragés dans la région. C'est vrai. On y va! Tiens, tu es encore là, toi. Tu peux venir me voir 100 fois que je ne changerai pas d'avis. Comment? Tu as retrouvé le fragment? Tu as vraiment fait tout ça pour une parfaite inconnue? Tu es à ce point envie d'apaiser Ursa King? Oui. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait autant de Ursa King. Bien, laisse-moi remplacer ce fragment de mur. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Alors, quoi? Quoi, l'eau? Fi, en. Oh, bon, ma flemme. De nous. Elle. Chose en chaque vie engendre de nouvelles choses, voilà, en s'unissant à d'autres vies. Je vois, j'ai lu ces inscriptions maintes fois sans en saisir le sens, et j'avais fini par presque les oublier, mais grâce à toi je peux les avoir enfin comprises. Ce qu'il y a décrit illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à reconstituer ce mur. Est-ce là un des enseignements du grand Sino? Oui. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Jotaro. Je vois. Bien, Jotaro. Veux-tu m'aider à apaiser Ursa King? J'ai déjà dit que oui. Il est certes très énervé, mais pas au point de devenir complètement enragé. Je crois que si on lui donne le remède approprié, il pourra retrouver ses esprits. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokémon se battre, mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Ursa King aime se rendre sur le plateau de Tourbeux. Quand tu seras prêt, rejoins-moi là-bas. Ok. Ça me paraît le bon choix. On va s'entraîner un petit peu. Voilà. Et c'est pas fini. Wow. Eh putain, les coups critiques. Voilà. Parfait. Monte. Oh putain, je sais pas utiliser tes bras, quoi.
Oh, allez, on y va. Allez, montons. Ah, putain. Que je l'attrapais. Pas du tout. Il est à quel niveau en fait? Il est à quel niveau? Fuir. On y va. Putain, mais comment tu veux... D'accord, donc en fait, je peux pas faire face à... Bah, j'ai fait un rappel, moi. Je ne sais pas combien de rappels. D'accord, je pense que j'ai compris. Voilà, ils sont là en fait. Voilà. Allez, jusqu'au matin, comme ça. Et on va plus s'arrêter avec des Pokémon, les barons, là, les barons enragés, là, parce que niveau 45, on n'est pas vraiment prêt. Et là, on peut foncer. Putain, la caméra, elle fait n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, oui, on s'en fout. Oh, yo, 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 yo. Allez, salut, je m'en vais. Personne m'a vu. Comme Pokémon ça. Ah oui, d'accord. Là, il y a de l'eau.
enfin il y a la pluie, donc normalement. Machination, ok. Heureusement qu'il l'a fait deux fois. Allez, Pokéball. Parfait. Oh. Allez. Parfait. Waouh. Comment ils font pour enlever autant ? Attends, quoi? Oula, 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 oula. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Ah, allez, capture s'il te plaît. Ah bah voilà. Non. Aïe, 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 aïe. Il y a un truc qui brille là-bas, qui m'intrigue. Eh mais... Voilà. Voilà, comme ça, on sera moins embêté. Alors, je sais que il faut aller derrière moi, mais j'essaie d'explorer un tout petit peu pour voir si il y a des choses intéressante par ici, sachant que je peux courir, je me permets de d'explorer un petit peu. Ok, donc eux ils sont aussi offensifs. Alors, est-ce qu'il veut combattre? Oui. Quel niveau? Oh, tcha 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 tcha. Aïe! Oh. Fuyons. Alors, c'est quoi ça? Ça m'intéresse. Et maintenant... Ouh. Coucou toi. Quel niveau? Juste accessible. 24. Ouais.
Aïe, 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 aïe. Petit sol, bah ça m'affecte pas. Oh, s'il le capture. Oh, ce serait tellement bien. Ouh, parfait. Ça, c'est quoi? Un skunk tank? Non, c'est mon tank. Est-ce que je l'attrapais, lui? Parce que je vois pas là. Ah, il y a un Pikachu, il y a un Paras. Ok. Ah, j'ai pas attrapé Hippodocus. Oh, excusez-moi. Pardon, je devais faire cette blague. Ouh là là. Alors attendez. What? Oh, mais il y a deux Pokémon là. Ah non, c'est 34. Oh, joy, 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 joy. J'avais oublié. Je pensais que c'était parce que j'étais dans une zone trop éloignée, mais en fait, pas du tout. On y va, on se casse. Oula, il est grand celui-là. Ah ouais, non, il est. C'est un baron là. C'est pour ça qu'il est grand. Alors, la sortie, ouh. Coucou, toi. Ah, mais je suis type vol, c'est vrai. Mais bon, normalement. Bah, ça m'affecte pas. T'es sûr? Ah! 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 Ouf, je pense qu'il a quelques coups de boue. Ce qui m'étonne, hein, quand même. Il est en niveau quoi, 25? Ouais, 25. Mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. Mur de fer, ok. Ah. Voilà. Par là, non? Ouais, c'est par là. Ah, Tangela. Coucou, toi. Ah, bon, je... bon, ok. Ouais, je voulais pas le mettre KO, mais c'est pas grave. Ah bah, il y a un autre ici. Châtiment. Ok.
quand même. Pas très efficace. Et... parfait. C'est quoi ça? Fragment de fer. Fouah! Oulala, oulala, oulala. Je me casse. Par ici, Jotaro. Ursaking a beau être énervé, il répond toujours à l'appel de ma flûte céleste. C'est probablement sur l'instinct de monture Pokémon qui le pousse à venir vers moi. Monture Pokémon, je peux le monter, Ursaking? Waouh! Ah oui! Maintenant, montre-lui de quoi tu es capable. Mais attention, Ursaking est un Pokémon très cher au clan Perle, je t'interdis de l'attraper. Ah d'accord, donc je dois vraiment le défoncer. Alors, la question c'est quel type? Quel type? Casse toxique. Il évite l'attaque, forcément. J'ai pas l'évitation. Ok. Ok, donc les types sol. Ouais, les types sol. Quelque chose. Vivre à quoi? Confus. Pas du tout. Aïe. On va être les plus faibles a priori avant. Comme ça, je me... voilà. Ah. Bon, allez, ça dégage. Aucune pitié. Aucun effet, donc il est type sol. Ok, d'accord. Voilà. Et lame d'air. Normalement. Voilà, parfait. Mais je suis con pour... Oh, mais je suis con. Pourquoi je garde... Bah, justement, lui, là, celui à côté de la Jenna. Bah, non. Autant mettre le type... le type Roche Sol. Gravalanche. Allons, on vient là, Ursaking. Tu dois être bien fatigué, mon pauvre. Ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi. C'est un remède secret du clan Perle. Il est bigrement efficace pour purifier le corps et pour éliminer les toxines. On l'appelle le détox. C'est ce qu'on disait avec les drogués. Ursa! Mais comme c'est un remède très puissant, on ne l'utilise que sur des Pokémon aussi robustes qu'Ursaking. N'est-ce pas, mon petit Ursaking? Tu as l'air d'aller bien mieux à présent. Je pense néanmoins qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah, c'est vrai, il ne brillait pas. Hein. Tu as l'œil pour quelqu'un du Hubble Galaxy. Exactement. Quand tu as apaisé la rage de Hachécateur, même d'ici, j'ai pu voir une lumière s'élever vers le ciel. Alors que là, il ne brillait pas à la base. Par contre, j'ai trouvé cette substance sur son corps. C'est une sorte de poudre. Je me demande pourquoi cette Marseille du clan Diamant est venue me parler du Ursaking. Oh, mais j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Peux-tu me jouer de ta flûte céleste?
ありがとう。Ouais. Il peut déterrer des choses enfouies dans le sol. Ah, ça c'est bien. Maintenant, va rapporter tout ça à ton dirigeant. Ursa. Ok. Allez quoi? Ok. Oula, qui m'observe? Ouais. Qui m'observe? Je vais quand même aller voir ce que c'est, le truc qui brille. Yanma. Rizelé. Dis-moi, Jotaro. Tu peux venir un instant, s'il te plaît? Oui, papa. Alors, déjà voir mes Pokémon. Jusqu'au matin. Jotaro, on dirait que tu as quelque chose dans le dos. Hein? Ah bon? Mais qu'est-ce que c'était? Un Pokémon peut-être? Non, c'est un être humain. Percupio disait avoir vu des symboles semblables à des lettres dans les ruines bon vivre. Peut-être qu'il s'agit d'une espèce de Pokémon pouvant se présenter sous différentes formes. Allez, je vais ajouter une section entièrement pour lui dans le Pokédex. Alors qu'il est même pas sûr que ce soit un Pokémon. L'alphabet Zarbi, voilà Zarbi. Tiens, il y a des sortes de lettres dans la section que je viens d'ajouter. D'ailleurs, ton Smarkius a réagi tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelque chose à te montrer. Ok. Trente-deux. Eh ben non. Trente-deux. Eh là, j'ai capturé quand même pas mal de choses là. Ouais, 4000, hein, merci, hein.
Ouais, pas mal, hein. 630 points, hein. Retourne au village, je suppose, non? Ouais, parce qu'il faut parler avec Monsieur Cormier. Je suis à 2 mètres. Salut! Salut Lucas, comment tu vas? Enfin, Jotaro, plutôt. Te voilà enfin. Dépêche-toi d'aller au bureau de notre dirigeant. Je te choisis. Il faut monter, non? Ouais. Fois. Fois. Et hey, l'entrée hyper classe. Jotaro, c'est terrible. Laisse-moi lui expliquer. Fragiladi, reine du col et protectrice du clan diamant, est devenue enragée. Cette traîtresse de Marsa le savait, et elle m'a rien dit. Une reine. Les Fragiladi sont toutes des femelles. C'est pour ça que c'est une reine qui règne sur le col. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis pas là pour parler de ça. Je cherche Marcia, mais je la trouve nulle part au village. Elle est venue à la cantine manger mes beignets de patates. Et elle leur a fait honneur. Faut dire qu'il n'y a pas meilleur que mes beignets. Si jamais Marcia avait quelque chose à faire voir, ça pourrait bien faire naître un nouveau conflit entre les deux clans. Ok. Nous resterons neutres. Bah oui, c'est quand même compliqué, c'est quand même délicat de choisir entre deux clans qui sont proches à toi. Pourquoi ça? Parce que ta planète ne ferait que verser de l'huile sur le feu. Et nous nous sommes installés sur cette terre en espérant éviter tout conflit. Je vois. C'est ce qu'on appelle la voie de la sagesse. Sagesse. Aurais-tu une idée que nous aiderait à régler ce problème, Jotaro? Ursa King? Tu veux dire que t'as gagné la confiance de l'Agena? Ça alors, t'assures? Dans ce cas, on va pouvoir trouver Marcia grâce au flair d'Ursa King. Ah, bah oui, comme dans Toilette Princesse! Ah, ok, d'accord. Jotaro, je compte sur toi pour apaiser tout Pokémon qui menacerait les êtres humains. Si nous sommes venus nous installer à Isui, c'est pour vivre dans la paix et l'harmonie. Ok, donc faut retourner au marais. Ce serait bien de pouvoir sauter d'ici. Fois. Alors, on va voir si on peut apprendre de nouvelles capacités ou de apprendre des capacités qu'on aurait pu oublier. Alors, je vais mettre ma caméra ici, comme ça je peux voir. J'ai pas piétisol. Ça serait bien d'avoir une attaque électrique plus puissante, quand même. Oh, ça peut être pas mal, ça. Ici,
ils apprennent tous repos, c'est trop drôle. Mais du coup, comment est-ce que je fais pour... Ah, gestion de capacité, d'accord, ok. Ok, d'accord. Alors, j'ai donné aussi à Gravalanche. Voilà. Bah écoutez, on va laisser la vidéo par où on l'avait laissée la dernière fois, qui est dans le dojo. Donc on se retrouve pour le prochain épisode de l'histoire dans lequel on va essayer de retrouver Marcia qui apparemment aurait mis un peu le bordel entre les deux clans. Pourquoi ? Bah on verra. Donc je vous remercie encore de suivre cette série que je découvre en même temps que vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !